Salut les amis, aujourd'hui, événement Drift avec la BM, on a fait 2-3 trucs dessus. Il est actuellement 6h du matin, je suis décédé. T'es persuadé qu'on prenait la trise aujourd'hui en vrai. Toi, en quelque sorte, pas mal hein. Là, ça lui donne un sacré look. Allez, on y va. La montée de Barbois, pour ceux qui connaissent. Nancy de bon matin. Comment qu'ils vont les Nancéens? Ah putain, mais c'est l'aire d'autoroute où il y a la grue qui est tombée sur la... Ah ouais? Oui, il y a une grue qui est tombée sur l'autoroute. Ah, c'est là! Maman, y est l'auto, comment elle est belle! Eh monsieur, qu'est-ce que vous faites? T'inquiète! Et voilà! Oh non! Attends! Eh Tanguy? Oui! Non? Non? C'est repartons! Alors, bonne idée ou pas? Bonne idée? Comment ça va? Ça va et toi? La forme? Ça va mon Samy? Ouais, mais toi à côté, hein? Vas-y. Bon les gars, si vous connaissez pas le circuit de Chamblay, il est gigantesque, j'essaierai de vous montrer, mais il est grand. Et pour faire le tour en drift, ça va être marrant, c'est surmouillé, donc on ne devrait pas avoir de problème avec la BM. Sinon ça va vous? Moi c'est déjà l'acoustique du lieu qui me... Oh. Eh, c'est minimaliste hein. Ça, t'as pas intérêt de le rouler surmouillé hein. Ça mon pote t'es mal hein. Par contre sur sec c'est vrai, oui, vas-y. Ouais c'est un autre monde hein ça. Oh le délire. Oh. Is that a Supra? A Supra? Sur Aceto, je les aime pas. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça passe. Oh, l'arrière, c'est un délire, mec. Le professeur. Oula, filme pas les secrets, toi. C'est de la merde, ça. Y'a pas d'angle. Bouah! Monsieur Kutsu. Tu es heureux quand je vois ça. Mais j'aime bien, mais je trouve il est propre son montage, tu vois. Mais Samy, tout ce qu'il fait, c'est un genius. Alright, ma mère. La tour, c'est que ça marche. Droite à l'accélérateur. À gauche, à la voyage. Là, c'est la barre magique. Tu tires, il s'est passé des choses. Merci mon chef. C'est cool. Ah, petit roulage avec la DM, ça fait plaisir. Je suis persuadé qu'on avait la 13 aujourd'hui. Ouais, mais non, il y a la BM. Surprise, ce sera surprise. On a un morceau de la 13. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas la 13. Bon, mais c'est encore une bonne journée, ça. Bon, désolé, j'ai remarqué dans la dernière vidéo. Vous me dites, ouais, ton volant, il n'est pas droit. Bon, effectivement, il n'est pas droit, je m'excuse. Le para n'est pas entièrement au point. On refera ça. Je me suis habitué, mais c'est vrai que c'est con. Alors, le circuit de Chamblay. Oh, les courbes, la longueur des courbes par rapport à d'habitude. Oh, le bordel. Ah bah, c'est long. Ah, il est pas comme sur Aceto. Parce que oui, il y a une version Aceto. Ok. Wow. Oh, mais attends, mais ça s'arrête jamais. Non. Oh, c'est pour ça que je pensais aussi que t'allais prendre la traîne. Là, le bac, je l'ai déjà expérimenté, moi. Ok, d'accord. Ah, ok, je vois.
Donc s'il y a des moments où vous ne pouvez pas drifter sur la piste, c'est soit qu'on n'a pas le droit, soit que c'est carrément sec sa mère. En vrai, il est challengeant ce circuit. Ouais. Putain, il est challengeant. Sur la parabolique, il l'a pris en trave du début jusqu'à la fin. Fait, oui. Tout le monde peut le faire, mais je veux dire, c'est surprenant quoi. Toi, tu es prête? Ouais. Tiffany, du coup? Ouais, c'est ça. C'est la première fois là. Dans une voiture de drift? Ouais. Ok. Moi, je te fais un minimum confiance. Y'a que dalle pour se tenir. Ah oui, ouais. Tiffany, je fais quoi? Là, tu verras, elle est gentille. Sur mouillé, c'est pépère. Il y a des endroits où ça fait un peu peur, mais globalement, c'est pépère. Sur sec, par contre, ça fait peur. Thank you.
T'étais vénère là aussi. Oh putain. Ouais. Ouais, j'ai vu que t'étais. Ouais, je l'ai senti. Au début, il me fait ah, je vais y aller doucement et tout, tu vas voir. Et je fais ah, ça va, ah, j'aime bien. Et là, d'un coup, il a bombardé. Ouais, par contre, j'ai découvert la limite de la caisse là. Limité par quoi alors? Plus l'angle de braquage ou... Ouais. Ouais, l'angle de braquage. Pour ça, j'avais dit, faut que j'installe un kit d'angle. Plus vénère. Ouais. Ouais. Bon, c'était cool. Franchement, trop bien. Bonne expérience. Avec un très bon pilote et ça se ressent. Oh, merci. Non mais attends, les autres ils étaient tous derrière, on les voyait, ils partaient tous en tête à queue, c'est on faisait et deux à un. Bon après c'est le matin aussi, hein, ça chauffe un peu et tout. Hein. Corvette, c'est la nouvelle. Moteur arrière. Il fait froid. On a enfin à manger. Bref, est-ce qu'on a fait les sacs? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Attends. C'est une caisse de rallye qui se fait remonter par plein de gens là. C'est trop bien. C'est génial cette vidéo. Excellent. C'est longtemps que j'ai pas mangé des trucs comme ça. Putain, j'ai oublié la digestion, comment c'est hardcore. T'as plus d'énergie, ça te pompe. On s'entraîne entre possesseurs de S13. On connaît, hein. Alors, pourquoi tu la montes? C'est un tas de merde. Mais non. Ça va faire comme moi, fut une époque. Vous voyez cette petite truc là? Faut rabattre ce machin là. Nissan 350Z. Ah, j'aime bien, c'est différent, c'est V6 Atmo. Ce que je vois, c'est légèrement préparé pour le drift. Petit radia, deuxième petit radia. C'est doré celui-là? Ouais, ça c'est d'origine. C'est quoi? Genre, il y a un radiateur de DA d'origine. Ouais. Ah, excellent! Moi j'aime bien ce design. Et ces feux ils sont mythiques. Hein. Ah, les feux de face de OLED. Impressionnant. Ok. Bon, ça te sort là du coup avec le drift. Et dis donc, quel est ce logo? FDB. L'intérieur des Z. Confort, classe, performance. Et c'est vidé derrière. C'est vidé. C'est vidé. Harness bas, en moteur admission lean reprog. Et c'est surtout le châssis qui est préparé pour les tirants, les triangles. T'inquiète donc. Non, il y a l'angle et d'origine. L'angle est stock. Ouais. Là, c'est la première fois que j'inaugure la le frein de frein à main. Ah oui. Becky Between. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'était un frein à main hydro, moi. C'est trop bien. Ah, oh, c'est tellement intelligent.
C'est une ref à Forza 5, ça, non? Exactement. Forza. Ah oui, Forza, classe B. C'est une ref à Forza avec la note B, machin et tout. Ouais, Et là, une petite ref à initiale D. Il y en a d'autres comme ça, les cachés, les easter eggs? Non. Bah, le faire, c'est bien. Mais moi, je suis un bianiste à la base. Je suis un gros taliban B. Ah ouais? Ah bah là ça change. Ça se voit, hein. C'est ton public. C'est clair, d'abord BM, ensuite convaincu par les jeunes. Après pour moi, mais remarque BM quand même, hein. Ah ouais? N'importe quel délit. C'est vrai, en plus on est en Europe, donc c'est encore plus logique. Ouais. Faut se dire qu'aux US c'est l'inverse. Les Japs c'est leur quotidien. Ils ont dû... Et les BM c'est exotique. Bah écoute, merci pour le petit tour. Merci à toi. Bon les gars, je vous ai entendu. Vous voulez une pedal view. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de caser une GoPro là, bon ça vibre un peu, d'accord, mais je vais essayer. Merci. C'est bien, elle n'a pas goûté une seule fois, hein, depuis pas mal de temps. Parce d'habitude en temps froid comme ça, avant elle avait tendance à un peu merder des fois. MX5 turbo, du gros pain Samy. Chauffer les freins avant parce que sinon le frein à main il bloque pas. T'as des plaquettes compétition. Des plaquettes piste, donc faut qu'elle chauffe. Ah ouais. Là, quand c'est propre la console, bon j'aime bien. Merci. Oh ça marche. Allez monte pas le turbo ce que ça donne. Oh la diable. Et il s'active tard, non? Non, il commence à 2000 tours. À 2000 tours? Ah, il est très progressif. Mais gros! Oh, elle marche, hein! Ça prend la grippe, impeccable! Le Manji qui va être passé! Je mets du coup de frein là pour rentrer dans le bureau! Et là, ça va prolonger! Allez! Oh! Il a les couilles, il est calme, mais il a les couilles. Ça se tourne. Presque. Ouais, putain, mais il y avait de l'engagement, il y avait de la motivation. Le turbo. Putain, la voiture des enfers. C'est vraiment les bacs, tu vois, du truc, c'est qu'en fait... Bah après la première tentative, fais le mapier, qui n'a pas très bien marché ici, c'est-à-dire qu'on voit ma jambe. Image ici. Et bah je vais essayer de la mettre là, j'ai réussi à l'intercaler dans un plastique. Ah, ce plan il est mythique. Mais arrête de te foutre de ma... Je fais ça pour vous, hein, attention. Bon les gars, c'est pas que j'en ai marre d'être collé au volant. Mais on va essayer de changer ça vite fait là. En fait le réglage c'était quand t'avais 17 ans.
c'est ça? C'est ça. Du coup, t'as grandi tant qu'il... Bah, je présume. Je suis pas grand de toute façon, mais je présume que j'ai quand même grandi. Ha ha ha!
le 600 lignes BM, mais... Ça rage de fou, quoi. T'as vu comment il résonne dans le casque, c'est fou. Ouais, mais j'aime bien donner des filets de gaz, moi, c'est ma spécialité. Ah, donne. Et au fait, ça consomme beaucoup au sens, ça. Tu vois la jauge qui est là? Ouais. On est tout le temps là. Ah, ça fait plaisir. Non. Pas avec les prix actuels, ça fait pas plaisir. Fin de session, Tanguy. 7. Ah, oh, putain. Et quelle heure? 7. Ah. Ah. En tout cas, ça fait plaisir de l'avoir roulé. Ah bah, ça roule, hein. Ah oui. Tanguy. Ouais. Ouais. Elle est moins traite que les 1005. C'est vrai? Ouais. Je le passe même, c'est vrai. T'as vu? J'ai hâte de revenir là, mais avec la traite. Ouais. Parce qu'avec ça va être dingue. Sur des longueurs comme ça, c'est pas. Et puis surtout, elle a pas un train avant aussi traite que la 36. Ouais. Donc ça va être vraiment différent. J'ai hâte de voir. Faudrait que je fixe la 36 son train avant, quoi. Je sais pas quoi faire. Mettre un kit d'angle, je peux plus monter sur la remorque. Enfin, un gros kit d'angle, quoi. Ah, changer de remorque. En bref, on verra. On est prêt à partir là? Ok, eux, ils ont tout compris. Bon, les gars, très content d'aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée, chill. La 36, elle m'a direct montré ses limites. Genre vraiment, dès le début, elle m'a dit, t'iras pas passer ça. Ok. Donc il a fallu que je me batte à trouver quelle est la limite avant de spin. J'ai commencé à la comprendre. Limite que la stress ne me dit pas. La stress vraiment sur mouillé est beaucoup plus saine. Que je rebosse sur le setup de la 36, revoir la géo, revoir tout. Mais ouais, je suis très content. On va rentrer. Puis voilà. Ok. Je vais aller coucher de soleil pour une jolie journée. Bientôt arrivé. J'ai l'impression que cette journée ne s'est pas passée tellement c'était court que en fait on y va demain. C'est ça le truc là, on fait le trajet pour rouler demain, c'est ça? Non? Ok. Et de retour, en un morceau. C'est quoi le vaisseau spatial qu'il y a derrière? On dirait prêt à décoller.